Bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous faire un unboxing du Zilich Tarot de Christine Zilich. Donc, c'est chez US Game. Donc, ça arrive dans une petite boîte en métal. Et en fait, j'ai totalement craqué pour les illustrations. Alors là, c'est bien, je peux y aller. Vu que c'est une boîte en métal, elle ne va pas s'abîmer. Donc, les cartes, elles sont plus petites qu'un tarot normal. Donc, la boîte est en dur comme ça. Voilà. Voilà l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est pratique pour amener partout. On a le petit livret. Alors, qui est malheureusement en anglais. Vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Donc, quand je tirerai, je ferai avec Google Traduction, parce que je ne vais pas m'amuser à traduire tous mes jeux, parce que sinon, je passe plus de temps à traduire mes jeux qu'à faire les cartes avec. Donc voilà, on a un petit livret. Bon, il a l'air d'avoir quand même pas mal de choses dedans. Alors, les cartes sont encore dans un petit plastique. Hop. Alors, on a un dos comme ceci. Bon, elles sont assez fines, donc à voir dans le temps, c'est cartonné, quoi, à voir dans le temps, comment ça sera. Les tranches sont neutres. Moi, je pense que celui-ci, je le laisserai comme ça. Alors, ouais, j'ai craqué sur les illustrations, après, il faut aimer. Donc, je pense que c'est de l'aquarelle. Donc là, on a le fou, le magicien. Donc là, on a des lettres hébraïques, je crois, je suis pas sûre. La grande prêtresse, je la trouve super belle. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. J'aime beaucoup les illustrations. Les amoureux. Vous voyez, on voit aussi deux enfants. Le chariot. La force, l'ermite, la roue de fortune, le jugement, le pendu, donc il y a des cartes qui ont été renommées, la mort, voilà, avec le papillon à la renaissance, la tempérance, le diable. Désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est ma chienne qui est en train de manger son os. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, la justice et le monde. Après, on a la série des bâtons, donc l'as de bâton. Le 2, bon là on reconnaît hein, qu'on est dans les bâtons. Donc alors sur les mineurs, il y a quelques mots-clés. Le 3, le 4, le 5, celle-ci j'aime beaucoup, le 6, le 7, le 8, le 9. Le 10, la princesse, donc qui est le valet, le prince, le cavalier, la reine, le roi. J'aime beaucoup les illustrations, les couleurs. Donc là, on est dans la série des coupes. Donc en plus, on les reconnaît quand même les séries par rapport aux couleurs. Donc l'as de coupe, le 2, le 3 de coupe, donc l'abondance, vous avez vu le mot-clé. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la princesse, le prince, la reine, le roi. Donc là, on va passer à la série des épées. Donc l'as d'épée, le 2,
le 3, le 4, le 5, regardez comme il est beau, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la princesse, le prince, la reine et le roi. Ensuite, à la série des disques, donc les deniers, donc l'as de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, elle est belle aussi celle-là, le 10, la princesse, le prince, la reine et le roi. Donc sincèrement, je suis super contente d'avoir ce tarot. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.